bonsoir à tous, tout le monde entend. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure Poulot, qui est agrégée de géographie, docteur en géographie. Marie-Laure Poulot a rédigé et soutenu en 2014 une thèse de géographie urbaine, culturelle et sociale, intitulée « Pour une géographie du cosmopolitisme autour du boulevard Saint-Laurent, mise en récit, nostalgie patrimoniale et construction territoriale », donc sous la direction de Marianne Baquet et de Philippe Gervais-Lamboni à l'Université de Paris-Ouest de l'Afrique. Donc, cette thèse a été publiée aux presses de l'Université du Québec. Pour un bref parcours, si je reviens brièvement, Marie-Laure Poulot a été attachée temporaire d'enseignement et de recherche en géographie à l'Université de Paris Nanterre ainsi qu'à l'Université Saint-Gilles-Pontoise, avant d'entamer un post-doctorat à l'Institut des sciences sociales de Lisbonne sur l'urbanisme temporaire, et elle dispense actuellement des cours pour la préparation en capacité d'histoire-géographie à l'Université de Saint-Gilles-Pontoise. Plus globalement, ses recherches portent sur les problématiques patrimoniales, les temporalités urbaines et la diversité culturelle dans les espaces publics urbains. Voilà, donc chère Marie-Laure, tu as la parole pour 1h30, et on aura un temps ensuite pour des questions à la part de l'Assemblée, composée majoritairement de cagneux, notamment des cagneux du lycée Henri IV, et je te remercie vivement d'avoir fait le déplacement jusqu'à Nantes. Sont présents également des optionnaires de géographie, des cagneux du lycée Saint-Exupéry. Et je pense que tous ces cagneux auront plein de questions à te poser. Merci à toi Marie-Laure, et je te laisse la parole. Très bonne conférence à tous. Merci. Donc on va changer de continent. Tout le monde m'entend là ? On va changer de continent et puis je vais aussi. Enfin là on était plutôt en périphérie hein, et donc moi je vais plutôt m'intéresser aux espaces publics centraux dans le centre-ville de Montréal. Ça marche ou pas ? Non. Donc j'interrogerai en fait ici hein, les espaces publics que je vais définir hein, de manière très large comme un système, ouais, merci. Comme un système de lieux et d'acteurs inscrits dans un contexte géographique à plusieurs échelles. Je me réfère à la définition d'Antoine Fleury qui a travaillé sur les espaces publics, notamment dans la ville d'Istanbul et de Berlin. Ce système de lieux prend d'ailleurs sens hein, tant qu'il s'inscrit dans l'espace urbain qui l'englobe. Donc moi j'ai travaillé sur une rue, mais évidemment hein, j'ai dû travailler sur les rues adjacentes, perpendiculaires et parallèles à cette longue rue qui traverse en fait Montréal de part en part. J'y reviendrai après. Alors là, j'ai choisi une rue parce qu'aujourd'hui, c'est cet espace public est au cœur des débats hein, sur la crise de l'espace public, sur sa privatisation, son contrôle de plus en plus important, voire sa disparition. C'est à la fois un élément de réseau, hein, un axe de circulation, un espace de pratique, de sociabilité, de coprésence, et c'est aussi un territoire hein, de la vie quotidienne. Et un lieu de contact avec, avec l'autre, avec l'altérité. Alors, en géographie, on s'est longtemps intéressé au quartier, mais depuis plusieurs années, hein, la rue devient, se place au cœur de questionnements géographiques. Alors moi, sur le cosmopolitisme, hein, mais aussi sur les temporalités urbaines, sur la mondialisation, sur les paysages urbains, etc. C'est aussi hein, la rue un espace possible de la mise en visibilité de la contestation. C'est un espace public hein, qui peut être aussi un terrain d'affrontement entre plusieurs acteurs. Et c'est un espace de construction de la sphère publique. Et puis enfin, la rue hein, peut être aussi hein, le lieu de l'anonymat, c'est-à-dire un lieu urbain par opposition. Alors, à ce qu'on voit dans les représentations hein, comme les espaces villageois de l'interconnaissance, bon, en fait, on se rend compte que c'est un petit peu plus complexe, hein, c'est-à-dire que la rue est à la fois un lieu de l'anonymat, où on, ce que je disais tout à l'heure, hein, on se frotte à l'altérité,
mais c'est aussi un espace familier qui est parcouru, approprié au quotidien par les résidents, les commerçants, tous ceux qui habitent cette rue ou autour de la rue. Et donc du coup, hein, d'avoir une approche multiscalaire de la rue, c'est-à-dire à la fois en s'intéressant au commerce, à des lieux ponctuels, aux blocs, aux quartiers, ou à la rue dans la ville, c'est-à-dire qu'on est à plusieurs échelles, hein. La prise en compte aussi des temporalités multiples de la rue, c'est-à-dire que le matin, hein, ça ne va pas être le même espace que le soir à la sortie des bureaux, ou encore la nuit, puisque le boulevard Saint-Laurent, hein, sur lequel je travaillais, est aussi une rue où on trouve pas mal de bars, restaurants, boîtes de nuit, etc. Donc elle prend aussi un visage très différent pendant la nuit, par rapport à la journée. Et puis enfin, dans le contexte nord-américain, l'absence de tradition de place centrale confère à la rue un statut d'espace public majeur à l'échelle de la ville, mais aussi des quartiers, notamment la rue commerçante. Et le boulevard Saint-Laurent, sur lequel j'ai travaillé, est une longue rue commerçante. Donc dans ma thèse sur le boulevard Saint-Laurent, en fait, j'ai travaillé sur la place de l'altérité, la diversité en ville. Et c'est vrai que dans les recherches sur cette question de la diversité en ville, on voit que les différents chercheurs peuvent choisir différents espaces pour travailler sur cette question, sur les migrations en ville, sur l'établissement de communautés migratoires dans la ville. On peut travailler à l'échelle de la ville dans son ensemble, évidemment, mais c'est vrai que le quartier ou les espaces publics en général viennent aussi en premier lieu pour étudier cette cohabitation des différentes communautés. Donc on peut choisir des grands espaces publics comme des ce qu'on peut appeler des sites micro-publics, comme des parcs ou même des espaces qui sont entre deux, c'est-à-dire entre espaces privés et espaces publics, comme des bureaux, des organisations communautaires, etc., qui peuvent être aussi des espaces pour voir comment cette diversité se vit. On a aussi des études sur la gare, par exemple, ou sur le marché, qu'on a vu tout à l'heure, où on a cette diversité qui se vit au quotidien. Et sur le cas montréalais, les chercheurs s'accordent pour décrire les interactions entre citadins à Montréal comme, alors je cite, hein, une coexistence pacifique mais distante, c'est-à-dire qu'on évite d'importuner autrui, de s'immiscer dans sa bulle d'intimité, mais par ailleurs on ne recherche aucun rapprochement. Les conflits d'utilisation des lieux sont rares, l'accommodement plus que l'affrontement est de mise. Donc ça c'est un cadre un petit peu général, hein, sur cette diversité vécu dans les espaces publics montréalais, mais on se rend compte, hein, que derrière, hein, des discours, hein, consensuels sur la diversité, malgré l'absence d'affrontements très violents, apparaissent des points quand même de cristallisation par moment, c'est-à-dire le partage de l'espace public entre différentes communautés. Alors je vais pas en parler là, mais c'est vrai que la montée d'une peur de la disparition de la langue française, par exemple à Montréal, dans le contexte québécois, c'est-à-dire la seule région dans le continent nord-américain où on parle français par rapport au Canada anglophone et aux États-Unis, c'est très fort. Et la langue anglaise qu'on va entendre dans l'espace public va être très médiatisée, etc. On a toujours peur d'une montée de cette langue anglaise et donc d'une disparition de la langue française. Mais ça aussi, hein, c'est quelque chose qui peut créer des tensions. Donc pour vous présenter juste la rue sur laquelle j'ai fait ma thèse, donc, c'est le boulevard Saint-Laurent. Donc, du coup, vous voyez là, en fait, là vous avez l'île de Montréal, et le boulevard Saint-Laurent, c'est une très longue rue, c'est-à-dire qu'elle traverse l'île de part en part. C'est un point de laser, c'est au milieu. Ok. Et du coup, moi, j'ai décidé de réduire cette,
cette rue, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas étudié l'ensemble de la rue, mais donc j'ai étudié la partie au sud du Vieux-Port jusqu'à la Petite-Italie, ça fait environ 6-7 km. Hein. Donc du coup on a une succession de différents quartiers, et notamment des quartiers dits ethniques le long de cette rue, puisqu'on a le quartier chinois, un secteur juif portugais, le Mailand qui est un quartier multi-ethnique, et puis au nord, la Petite Italie. Donc je vais revenir sur ces différents quartiers. Et puis alors quelques mots aussi sur l'importance en fait de cette rue dans la ville de Montréal. C'est que traditionnellement, le boulevard Saint-Laurent donc coupe l'île en deux. Et traditionnellement, on avait à l'est les quartiers francophones et à l'ouest les quartiers anglophones. Et puis on avait aussi en fait les quartiers, des quartiers anglophones à l'ouest hein, qui étaient plus riches que le côté est francophone qui était traditionnellement beaucoup plus pauvre. Donc ça c'est traditionnellement c'était cette ligne de partage. Hein. Aujourd'hui on a plus cette division de l'île aussi forte. Hein. Mais il reste qu'on a quand même des quartiers anglophones qui sont surtout présents à l'ouest de la ville. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques. Et la deuxième caractéristique du boulevard Saint-Laurent, c'est ce qu'on appelle le corridor de l'immigration, le corridor des immigrants. C'est-à-dire que c'est l'axe sur lequel les immigrants se sont installés lors de leur arrivée à Montréal, donc de la fin du 19e jusqu'à la fin du 20e siècle, jusqu'aux années 70-80. C'est-à-dire qu'ils ont choisi en fait un espace d'entre-deux entre ces quartiers anglophones et les quartiers francophones. Et donc du coup, hein, le passage de ces différentes communautés migratoires, c'est-à-dire chinoises, portugaises, d'Europe de l'Est, d'Italie, grecques, etc., est très visible aussi sur le boulevard Saint-Laurent. Alors aujourd'hui, de manière un petit peu différente hein, des années 50-60, hein, mais elle est mise en visibilité aujourd'hui dans notamment des visées touristiques. Je vais y revenir. Mais en tout cas, ce que je vais voir aujourd'hui avec vous, c'est les questions justement de mise en visibilité ou mise en invisibilité de cette altérité, de cette diversité dans l'espace public. Et donc ces questions de mise en visibilité, invisibilité, elles sont fortes d'enjeux de pouvoir, elles sont productrices d'images sur et par les minorités concernées. C'est-à-dire que, oui, cette image de l'altérité, elle est donnée à voir aux habitants montréalais, mais aussi aux touristes, etc. Et ce sont aussi les communautés portugaises, italiennes, etc., qui créent cette image, qui veulent montrer aux autres. Donc je vais revenir sur le marquage très fort de l'espace public, notamment dans les quartiers ethnico-touristiques. Et puis, j'évoquerai aussi les limites entre espace public et espace privé, ou plutôt la question de la privatisation de l'espace public dans cette intervention. Donc, comme l'a dit Grégoire Berche, là je me base sur mon travail de terrain que j'ai réalisé entre 2011 et 2013. Donc j'ai passé presque 2 ans en fait sur place pour justement rencontrer les différents acteurs, faire des entretiens, etc. pour pouvoir ensuite écrire ce travail. Donc je verrai tout d'abord hein, dans une première partie les liens entre espace public et diversité culturelle, c'est-à-dire comment cette diversité culturelle se lie ou non dans l'espace public. Donc là je prendrai des exemples justement de la Petite Italie, du quartier chinois, etc. Et je verrai aussi les tensions qui peuvent exister. Et puis dans un deuxième temps, j'irai au sud du boulevard, où on a construit un nouveau quartier, le quartier des spectacles. Et on a construit notamment des nouveaux espaces publics donc pour accueillir hein, des festivals,
Et là aussi, hein, ça pose la question de alors, l'aménagement de nouveaux espaces publics, mais aussi la question de l'exclusion de certaines populations à cause de ces nouveaux aménagements. Dans un premier temps, je vais voilà, réfléchir à cette question du marquage ethnique dans les espaces publics à Montréal. Et donc, quelle est la mise en visibilité de l'altérité, de l'immigration dans ces espaces publics, surtout le long du boulevard Saint-Laurent. Alors, je vais m'intéresser d'abord hein, à ce qu'on peut appeler le paysage politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que les acteurs publics vont décider de faire comme aménagement pour montrer justement cette altérité dans les espaces publics. C'est vraiment là, je m'intéresse aux marques institutionnelles qui sont visibles en fait tout le long du boulevard Saint-Laurent et qui sont assez importantes. C'est donc des actions de la municipalité de Montréal. Et on se rend compte hein, que, alors, selon les personnes au pouvoir, selon les maires, selon les mandats, selon aussi les conseillers hein, d'arrondissement, puisque, comme je vous ai dit, hein, le boulevard hein, que j'ai étudié, il fait 6-7 km. Donc, du coup, on a trois différents arrondissements qui sont présents. Hein, donc, ça veut dire qu'on a différentes... Enfin, les différents arrondissements peuvent avoir des politiques aussi très différentes quant au marquage ethnique dans chaque arrondissement. Alors, donc du coup, hein, selon les temporalités, selon les politiques au pouvoir, selon les demandes aussi des communautés, on se rend compte que les actions institutionnelles aussi entre une démarche d'ethnicisation, c'est-à-dire on reconnaît la diversité, on va l'inscrire dans l'espace public, on va le marquer de manière plus ou moins forte. Et puis une démarche de pasteurisation, c'est-à-dire on est plutôt... non, il ne faut surtout pas montrer qu'il y a eu de l'immigration, on ne va pas du tout mettre des marques ethniques, hein, on va vouloir créer un espace public dit neutre. Donc du coup, on oscille hein, entre ces deux démarches le long du boulevard Saint-Laurent et puis dans la ville de Montréal dans son ensemble. Donc pour vous donner des exemples un petit peu plus précis, quand je parle de marques institutionnelles qui sont très présentes le long du boulevard et qui sont présentes dans les espaces publics, hein, ça peut être à la fois la toponymie, tout simplement, c'est-à-dire... que par exemple dans le quartier de la Petite Italie, on va créer un parc de la Petite Italie qui s'appelait avant le parc Martel. Dans le secteur portugais, un ancien square qui s'appelait Saint-Jean-Baptiste, très québécois francophone, hein, on l'a renommé Parc du Portugal. On va renommer aussi d'autres parcs, Parc des Açores, puisqu'il y a énormément de migrants portugais qui viennent des îles des Açores. Et du coup, c'était en lien avec cette immigration portugaise. On trouve une place de la Roumanie, etc. Donc il y a énormément d'actions au niveau toponymique pour mettre en avant cette immigration. C'est un marquage hein, qui est idéologique, aussi mémoriel, hein, puisque... Ces migrations hein, portugaises, italiennes, grecques, etc., aujourd'hui, elles sont très peu importantes par rapport à d'autres migrations, notamment du Maghreb, de l'Asie, etc., aujourd'hui dans la ville de Montréal. Alors, c'était surtout dans les années fin 19e jusqu'aux années 70-80. Donc du coup, on est déjà dans un marquage un petit peu patrimonial, commémoratif. Donc on a... Voilà le rôle de la toponymie. On va retrouver aussi énormément de plaques. Alors là, on a une plaque hein, dans la Petite Italie. Là, c'est une plaque qui commémore justement les 50 ans de l'arrivée des Portugais à Montréal. Et puis, on a des, au-delà de la toponymie, des plaques, etc.
on a des marques symboliques beaucoup plus importantes, hein, comme les arches du quartier chinois. Donc là, c'était pendant la revitalisation, hein, du quartier, un gros plan d'aménagement dans la fin des années 90. Là, on voit bien que c'est une volonté politique aussi, hein, c'est parce que le maire de l'époque était dans une stratégie aussi électoraliste. La communauté chinoise avait vu qu'il y avait des arches qui avaient été construites à Vancouver, à Toronto, et donc il y avait une volonté de faire la même chose à Montréal. Donc le maire a permis aussi cet aménagement d'arches dans le quartier chinois. Donc des artisans venus de Shanghai sont venus réaliser ces arches sur le boulevard Saint-Laurent pour délimiter, hein, le quartier chinois. Donc c'est-à-dire que vous rentrez dans le quartier chinois et puis vous en sortez grâce à deux arches, hein, qui délimitent de part et d'autre ce quartier. Donc on a un marquage institutionnel dans l'espace public qui est quand même très visible de la part de la municipalité, mais qui est aussi très visible de la part des commerçants qui sont très présents le long du boulevard et qui souhaitent aussi montrer dans l'espace public leur appartenance à la communauté, par exemple, italienne ou portugaise. Donc c'est ce que je vais voir maintenant, c'est qu'on a la création, hein, de paysages exoticisés dans une logique marchande, touristique, c'est-à-dire qu'on va créer un paysage qui fait référence à l'Italie, qui fait référence au Portugal, qui fait référence à la Chine, ouais, certaines représentations, hein, évidemment. Donc au point où on parle, hein, d'enchinoisement du quartier chinois et d'une italianité construite dans la petite Italie. Donc c'est vraiment les acteurs économiques, les commerçants, avec l'accord, hein, des politiques, qui développent, hein, ces images dans l'espace public. Donc là aussi, hein, pour vous montrer des images un petit peu plus concrètes, par exemple dans le quartier chinois, on a vraiment un marquage commercial très très fort, d'ailleurs une espèce de push signalétique avec toutes les enseignes, hein, qui est très importante. On a aussi certains aspects, hein, qu'on ne voit pas dans d'autres quartiers. Par exemple, là vous voyez, hein, il y a des étals qui sont sortis sur la rue dans l'espace public. Normalement c'est interdit, c'est-à-dire que dans toute la ville de Montréal, vous n'avez pas le droit de sortir vos étals sur l'espace public. Mais dans le quartier chinois, il y a une espèce de laisser-faire de la part de la municipalité. Donc là aussi, hein, on a un espace public qui est approprié différemment par les commerçants du quartier chinois que dans les autres quartiers de Montréal. Donc on a, voilà, cette couche signalétique chinoise, ou cet enchinoisement du quartier, il s'est fait sur le temps long, depuis les années 1920 jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, avant... Avant l'arrivée des migrants chinois, c'était des Irlandais qui occupaient le quartier. Et cette couche signalétique chinoise, elle a complètement effacé justement cette ancienne présence irlandaise dans le quartier. Donc il y a vraiment la création d'un paysage urbain différent. Alors d'ailleurs, on ne voit pas vraiment, mais si on regarde, hein, les différentes anciennes, on se rend compte aussi, hein, que ça fait référence pas seulement... à certaines régions de la Chine, mais on a aussi des commerces, hein, qui viennent de Hong Kong, de la Corée du Sud, etc., de différents pays asiatiques. Mais par contre, l'appellation officielle, hein, ça va pas être quartier asiatique, c'est que ça reste quartier chinois. Il y a une espèce de réduction, hein, identitaire qui a été mise en place, hein, là aussi dans une stratégie un peu touristique. Et puis c'est aussi des choses qu'on voit, on retrouve des quartiers chinois dans la plupart des grandes villes nord-américaines aujourd'hui. Donc du coup on a un petit peu cette même idée. Donc, l'autre quartier commercial ethnique officiel, c'est la petite Italie. Donc là aussi on a un autre exemple d'une construction
d'une italianité. C'est revendiqué hein, par l'association de commerçants du quartier. Donc du coup, hein, là, vous avez à la fois hein, les noms des commerces qui font référence à l'Italie, hein, que ce soit Milano, Via Roma, Pomodoro, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, hein, l'épicerie Dante, enfin, Or Italia, enfin il y en a pour tous les goûts. Vous voyez hein, que les couleurs de l'Italie sont quand même très présentes, les drapeaux. Donc même, hein, même quand vous vendez hein, nouveaux appartements hein, qui sont mis en vente, même là sur ces nouveaux condos, ces nouveaux appartements, on a le drapeau italien. Et puis même à l'intérieur des commerces, hein, ça va être tous les stéréotypes en fait liés à l'Italie hein, qui sont présents même donc à l'extérieur des commerces sur l'espace public et puis à l'intérieur des commerces. Donc c'est vraiment un paysage construit, modelé, prenant appui hein, sur des images italiennes. De même, hein, par exemple, dans la petite Italie, on a de nombreuses terrasses qui ont été mises en place. Parce que dans l'idée des commerçants du quartier italien, ça faisait partie intégrante de la culture, de l'identité italienne, les cafés avec ses terrasses, etc. Donc on a beaucoup plus de terrasses dans la petite Italie que dans d'autres parties de Montréal. Donc il y a une espèce de construction aussi d'un mode de vie à l'italienne à Montréal qui se crée. Alors ça, je vous ai parlé hein, d'une association de commerçants qui construit cette image. Et puis on a aussi des boîtes hein, de com qui vont être employées hein, par l'association de commerçants pour essayer de créer une image visuelle hein, du quartier. Donc c'est-à-dire on va trouver des bannières dans le quartier pour bien montrer qu'on est dans la petite Italie de Montréal. Donc là le nouveau slogan actuel, avant c'était Ciao petite Italie, maintenant c'est Vivere emozioné. C'est vraiment une nouvelle stratégie marketing hein, qui est très présente dans le quartier. Donc à tout ce marquage hein, commercial dans la petite Italie, s'ajoute aussi un marquage hein, comme dans le quartier chinois où je vous ai montré les arches. Hein. Bon, ah oui, ça c'était juste, voilà, on voit des bannières, hein, mais on voit même sur le mobilier urbain, on a ce V là de leur slogan, sur les différents commerces on retrouve le V, donc du coup hein, c'est quand même très visible dans tout le quartier cette construction de cette italianité. Donc tout à l'heure je vous ai évoqué les arches dans le quartier chinois, mais en fait dans la petite Italie on a la même chose qui s'est mise en place, on a des arches qui délimitent le quartier, c'est-à-dire vous rentrez dans la petite Italie, et puis vous en sortez au nord du boulevard Saint-Laurent. Là, c'est les différents commerçants de la petite Italie qui, à la fin des années 90, hein, plusieurs commerces étaient en train de fermer. Il y a eu un projet de revitalisation du quartier pour essayer de relancer un petit peu la fréquentation, l'activité commerçante, etc. Et l'objectif a été de justement marquer le territoire, de montrer qu'on était dans un quartier bien spécifique, la petite Italie. Et du coup, il y a eu plusieurs réunions en interne hein, de ces différents commerçants qui cherchaient des idées justement pour marquer l'espace public. Alors du coup, on est arrivé à ces arches et puis ces mini-arches là qui sont présentes dans tout le quartier, mais par contre, si on regarde les rapports préliminaires, il y avait des projets un peu fous, c'est-à-dire que les membres de la communauté italienne hein, ont proposé des statues de Dante, de Jules César, de Verdi, des statues plus contemporaines, hein, comme des cafetières italiennes qu'on aurait pu trouver dans le quartier. Donc du coup, il y a eu vraiment pas mal d'idées, mais on est arrivé à quelque chose d'un petit peu plus sobre, voilà, des arches, comme un peu le quartier chinois. On trouve là aussi hein, des plaques,
l'utilisation de l'italien aussi, Piccola Italia. Donc ça, c'est les différentes arches, justement, qu'on va trouver dans tout le quartier. Hein. C'est les points. Et puis, oui, il y avait aussi cette idée. Hein. Vous voyez ce que c'est le palio à Sienne. Donc, du coup, on avait ces espèces de... Les différents quartiers, en fait, ont des étendards. Et ensuite, on a une course dans la ville de Sienne. Et donc, un quartier va gagner, en fait, la course. Et donc, là, la communauté italienne à Montréal avait décidé de mettre aussi des étendards dans les différentes rues hein, sur la mode du palio de Sienne. Donc, on a vraiment énormément de références aux pays d'origine qui essayent de se mettre en place dans ce quartier italien. Donc, on voit hein, qu'il y a vraiment un marquage là très très fort dans ces deux quartiers, hein, la Petite Italie et Chinatown. On peut se demander aussi, hein, si on pense à New York, à San Francisco, Toronto, etc., s'il n'y a pas aussi une homogénéisation de l'espace public dans ces quartiers ethnico-touristiques. C'est-à-dire que dans tous les quartiers chinois, on retrouve ces arches. Dans les quartiers italiens, on retrouve cette abondance de drapeaux vert, blanc, rouge, etc. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu le même type de paysage urbain qui va se créer. Donc là, je vous ai montré hein, deux quartiers, la Petite Italie et Chinatown. On a une stratégie de marquage ethnique très fort, mais pour une identité. Hein. C'est vraiment l'italianité, l'enchinoisement. Dans le secteur central du boulevard, comme il n'y a pas eu une communauté qui a pris le dessus sur les autres, c'est-à-dire qu'on a un quartier qui est marqué autant par l'immigration grecque, portugaise, espagnole, italienne, d'Europe de l'Est, etc. Du coup, on a essayé de... la municipalité, l'arrondissement et puis même les commerçants ont essayé de mettre en place un marquage qui se voulait un petit peu plus inclusif, c'est-à-dire qu'ils ont refusé hein, de mettre des arches, justement, pour délimiter le quartier. Ça aurait posé, hein, justement, aussi des tensions entre les communautés, c'est-à-dire que si la communauté portugaise avait décidé de mettre des arches portugaises, les Italiens, Grecs, juifs d'Europe de l'Est, etc., n'auraient pas trouvé leur place à l'intérieur de ce quartier. Donc du coup, il y a eu un projet de frontières non fermées, c'est comme ça que les acteurs en parlent. Ils ont pas mis d'arches, mais ils ont mis des bancs le long du quartier. Donc ils ont appelé des bancs de pierre et de parole. Parce que ils sont faits de pierre et sur ces bancs, on a des citations en fait d'auteurs portugais, donc en portugais et en français. Et donc on va retrouver dans tout ce secteur un petit peu central du boulevard Saint-Laurent. Donc c'est-à-dire qu'on a certes un marquage pour montrer effectivement l'immigration portugaise importante dans ce secteur, mais par contre on n'a pas de portes d'entrée et de sortie, comme dans les deux autres quartiers. Après, on a des marquages forts dans certains sites. Par exemple, là, on a le parc du Portugal que je vous évoquais tout à l'heure, hein, qui avait été rebaptisé dans les années 70 pour reconnaître l'apport de l'immigration portugaise. Et là aussi, on a tous toutes les images qui sont liées au Portugal qui sont présentes. On a les azuleiros, le coq de Barcelos, une colonne des découvertes pour faire référence aux grands explorateurs portugais. Enfin, on a là aussi hein, toutes les images qu'on peut avoir sur le Portugal qui sont présentes dans ce petit parc dans le quartier portugais. Donc on a dans ce secteur quand même un marquage qui est plus flexible, qui est moins fermé que dans les,
que dans les deux autres quartiers, hein, Chinatown et Petite Italie. Et donc du coup, on n'a aussi pas l'imposition de frontières immobiles, comme c'est le cas dans les deux autres quartiers. Donc l'espace public est aussi plus ouvert que dans les deux autres quartiers cités. Et puis deux derniers aspects que je voulais dont je voulais parler. Là, j'ai surtout parlé du marquage institutionnel de la part des acteurs publics, de la municipalité de Montréal, et puis un marquage commercial, c'est-à-dire on a des associations de commerçants dans tous ces quartiers qui s'organisent, qui créent un paysage particulier. Mais aussi, on a des marquages un petit peu différents, une appropriation de l'espace public qui est un petit peu qui est plus discrète, parce que le fait de résident, de particulier, ça va être par exemple, alors là on est dans le secteur portugais, on a certains habitants qui vont mettre le drapeau portugais aux fenêtres, et puis on a la présence de ces azuleros là devant les portes d'entrée de certains immeubles. Et là on sait hein, qu'il y a une famille, soit portugaise, soit d'origine portugaise, qui habite ici, et on en voit un petit peu dans tout le quartier. Dans tout ce secteur. Donc c'est un marquage voilà, discret, non commercial, mais qui témoigne aussi d'une appropriation forte de l'espace public par les habitants. Et puis enfin, dernier marquage un petit peu différent, c'est parce que c'est un marquage temporaire qu'on pourrait qualifier de marquage présence. C'est tout ce qui est lié aux différentes fêtes et festivités qui se déroulent dans l'espace public, dans ces quartiers ethnico-touristiques. Donc là, je vais juste prendre l'exemple de la semaine italienne de Montréal, qui évidemment a lieu dans la petite Italie de Montréal, où pendant une semaine, hein, vous avez énormément de stands dans la rue. La rue est piétonnisée, donc c'est une appropriation de l'espace public hein, par les piétons. Énormément de monde qui viennent hein, lors de cet événement, qui a une sorte de redécouverte hein, de l'espace public comme espace festif, qui devient un théâtre de rassemblement. Et ces événements, ils sont autant à destination des touristes que à destination des habitants montréalais et de la communauté italienne, donc, qui est très présente dans l'organisation de cet événement. Avec là aussi hein, tous les stéréotypes, on retrouve hein, les images italiennes, hein, c'est-à-dire on a les danses folkloriques italiennes, les voitures, énormément aussi de nourriture, avec des tensions hein, au sein de la communauté italienne sur qu'est-ce qu'on veut montrer aux autres. C'est-à-dire que certains membres de la communauté italienne ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est montré pendant cette semaine italienne en disant que c'est complètement ringard, c'est plus du tout l'Italie actuelle, etc. Enfin bref, il y a des tensions aussi hein, dans ce qu'on veut montrer aux visiteurs. Donc on a voilà, des fêtes, des événements qui sont organisés de manière instituée. Enfin, chaque année, on a une semaine italienne de Montréal. Mais on peut aussi avoir une appropriation un petit peu plus spontanée aussi de l'espace public, notamment dans ces quartiers, dans le quartier portugais ou dans la petite Italie, notamment pendant tout ce qui est Coupe du Monde, Euro, etc., où à chaque fois les supporters donc, italiens vont se retrouver dans la petite Italie, les supporters portugais dans le secteur portugais. Et ça, c'est assez intéressant parce que on est au Canada, donc le sport national, et c'est pas du tout le foot, hein, c'est vraiment le hockey. Donc du coup, c'est vraiment des signes de l'immigration européenne dans la ville de Montréal. Avec, hein, après chaque match, vraiment une présence très importante des supporters, des drapeaux, etc., qui sont visibles dans les rues de ces quartiers. Donc, on voit bien là, avec ces différents exemples, là, du quartier chinois, la petite Italie, ce secteur portugais,
que c'est des constructions par différents acteurs, politiques, commerçants, résidents, où on a des signes de l'altérité qui sont pour le coup là très visibles. On a construit des quartiers ethniques ou multi-ethniques, notamment pour le tourisme, avec des différences. Hein. C'est-à-dire le quartier chinois et la petite Italie, on promeut une identité unique, alors que dans le centre du boulevard, hein, on cherche plutôt à composer avec la diversité. On a des bancs, mais on a aussi, là j'en ai pas parlé, mais on a des signes de l'ancienne présence juive d'Europe de l'Est. On a des signes de l'ancienne présence grecque, etc., qui se retrouvent le long du boulevard dans ce secteur central. Donc là, je me suis surtout intéressée au marquage ethnique qui est mis en place par ces différents acteurs. Mais il existe aussi, et là j'en ai pas parlé, mais je vais en parler maintenant, des tensions autour de cette mise en visibilité de l'altérité dans l'espace public. Je vous ai dit qu'à Montréal, on oscille un petit peu entre tentation d'ethniciser l'espace public et de pasteuriser l'espace public. On veut une certaine neutralité. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des tensions qui peuvent apparaître. Alors, il y a des tensions qui sont d'abord liées cette ambivalence entre est-ce qu'on marque dans l'espace public l'altérité ou est-ce qu'on la cache, mais des tensions qui sont liées en fait à la présence de plusieurs communautés sur un même territoire. C'est-à-dire que par exemple dans la petite Italie, certes il y a eu une immigration italienne très importante d'Italiens dans ce secteur, mais aujourd'hui on a une immigration italienne non seulement qui est beaucoup moins importante qu'auparavant. Et puis les Italiens se sont aussi déplacés dans d'autres quartiers de la ville de Montréal, donc du coup ils sont plus aussi présents dans la petite Italie qu'avant. Et puis surtout on a une communauté latino-américaine qui est aussi présente dans le même secteur de cette petite Italie. Et donc du coup certaines petites arches que je vous ai montrées tout à l'heure ont dû être déplacées plusieurs fois. Parce que la communauté latino-américaine était là, mais enfin, c'est pas du tout la petite Italie ici. C'était là qu'ils résidaient, ils avaient leur commerce, etc. Donc il n'était pas question d'avoir une arche symbolisant la petite Italie dans leur quartier qu'ils appellent nouveau barrio latino de Montréal. Donc du coup, il peut aussi avoir des tensions pour le partage justement de l'espace public et le marquage de l'espace public entre des communautés migrantes différentes. Le deuxième exemple de tension autour de ce marquage de l'altérité dans l'espace public que je voulais vous présenter, c'est lié à une crise qu'on a appelée la crise des accommodements raisonnables, qui a eu vraiment une période d'ébullition de toutes ces tensions et débats entre 2006-2007. C'est-à-dire, c'était toutes les questions concernant les communautés migrantes ou religieuses qui demandaient certains arrangements et au niveau public, est-ce qu'on y répondait ou pas. Donc, pour vous donner des exemples, ça pouvait être la possibilité ou non de voter en ayant le visage voilé. C'était est-ce qu'on autorise des élèves sikhs à porter leur kirpan, le couteau, en allant à l'école. Donc là, on est dans des cas qui ne concernent pas forcément l'espace public, mais certains débats concernant ces accommodements raisonnables ont concerné l'espace public, donc notamment ce qu'on appelle les rouves. Les rouves, c'est un fil de fer ou un fil de pêche, selon les cas, qui est quasiment invisible, hein,
C'est-à-dire que là, vous voyez ici, hein, on a juste un fil, c'est un fil de fer hein, qui est accroché. Et qu'on, enfin, si on n'y fait pas attention, si on ne lève pas la tête, on le voit pas vraiment. Hein. Et donc cet érouve, il est installé dans les quartiers où on a une forte communauté juive orthodoxe, notamment les hassidiques, parce que ça crée une extension symbolique de l'espace privé dans l'espace public. C'est-à-dire que la communauté hassidique, pendant le Shabbat, ne peut pas mener certaines activités. C'est-à-dire qu'un des interdits, c'est de transporter un objet de l'espace privé dans l'espace public. Donc ça veut dire que si vous respectez ces interdits, vous ne pouvez pas transporter vous pouvez pas faire vos courses, vous ne pouvez pas emporter des médicaments, des mouchoirs, vous ne pouvez pas porter des enfants, sortir avec des poussettes, des cannes, enfin, etc. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, ce qui est quand même compliqué. Et donc, du coup, pour contourner un petit peu ces interdits, ils ont décidé voilà, de mettre cette érouve, c'est-à-dire une extension symbolique de l'espace privé dans l'espace public. Donc si votre espace privé est étendu, vous pouvez faire vos courses, sortir avec des poussettes, etc. Donc ça a été demandé dans différents quartiers montréalais, hein, et ça a été mis en place dans ces différents quartiers. Mais par contre, voilà, à la fin des années 90, des habitants non hassidiques ont porté plainte disant que ces érouves étaient une irruption de la sphère privée de la religion dans l'espace public et donc refusaient hein, d'avoir ces érouves dans le quartier. Donc, du coup, il y a eu différentes plaintes, ils sont allés devant le tribunal, etc. Bon, aujourd'hui, hein, on a bien ces érouves qui sont présents dans le quartier, notamment à Outremont, qui est un quartier montréalais. Donc là, on a une carte du quartier d'Outremont, et tout ce qui est en jaune, hein, c'est là où on a des érouves. Et donc, du coup, hein, la communauté hassidique peut, pendant le Shabbat, peut se promener dans l'espace public en transportant différents objets. Donc, du coup, hein, au final, ça a été accepté par les conseils d'arrondissement, par la municipalité. Hein. Mais c'est vrai que pendant plusieurs années, hein, il y a eu à la fois voilà, des plaintes, des recours déposés devant la cour, etc. Donc c'était vraiment un débat alors autour de l'érouve, hein, qui, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quasiment invisible, hein, mais c'était plutôt symbolique de cette irruption de la sphère privée dans l'espace public. Et ça accompagne aussi ce qu'on connaît aussi aujourd'hui en France, hein, sur la question de la laïcité et c'est cette question des rapports entre laïcité et espace public. Donc la question de l'érouve, elle a été résolue, mais par contre, on a ces questions hein, qui réapparaissent de façon plus ou moins récurrente. Alors non plus à cause de l'érouve, on est dans les années 2014-2015, mais par exemple, à propos par exemple, de ces cabanes-là qui sont créées pendant une semaine, là aussi hein, par la communauté juive hassidique, donc c'est pendant la fête de Soukhot. Et donc, la communauté construit hein, des espèces de cabanes à côté de leur résidence. Donc là aussi, hein, pendant une semaine. Et donc là aussi, hein, il y a des plaintes de la part des résidents non hassidiques, des règlements municipaux qui se succèdent. Donc du coup, hein, ces questions entre sphère publique, sphère privée, la question de laïcité, espace public, elle se pose de manière récurrente et entraîne des tensions aussi au sein des différents quartiers. Donc il y a l'autre aspect que
voulais voir avec vous après cette première partie sur les liens entre diversité culturelle et espace public et la mise en visibilité de l'altérité dans l'espace public. Ça va concerner donc ce nouveau quartier qui a été construit dans le centre-ville de Montréal, le quartier des spectacles, avec l'aménagement de nouveaux espaces publics dans le cadre de ce grand projet d'aménagement. On a différents aménagements donc nouveaux qui tentent de réhabiliter l'espace public existant, en créer de nouveaux, développer plus de convivialité, créer un nouveau quartier axé sur la culture. Et donc je vais présenter ce projet avant d'interroger donc le statut de ces nouveaux espaces publics et l'exclusion qu'ils peuvent engendrer. Donc oui, juste pour le resituer, le quartier des spectacles, hein, il est là où j'ai mis le rond violet, hein, donc on est vraiment dans le centre-ville de Montréal. Donc c'est aussi, je vous ai dit tout à l'heure que je parlais des espaces publics centraux, là on est dans un espace qui est très important hein, au niveau de la visibilité nationale, internationale aussi pour la ville de Montréal. Hein. C'est-à-dire que depuis quelques années, Montréal se construit aussi sur, s'inscrit dans une tendance mondiale hein, sur les discours sur la ville culturelle, la ville créative. Il faut axer hein, son développement sur la culture. Et le quartier des spectacles constitue un projet d'aménagement qui permet en fait d'inscrire au centre-ville justement l'activité culturelle, de spectacle, de festival. Dans la ville, dans le centre-ville. Donc c'est aussi un moyen de s'affirmer au niveau national et international comme une métropole de festivals, une métropole culturelle pour les acteurs hein, municipaux. Donc ce quartier des spectacles, c'est quand même un projet d'aménagement qui est quand même très large. Donc avec, il a été lancé dans les années 2000. Donc il y a eu plusieurs phases, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une première phase là, autour de Spool, de la Place des Arts, puis une deuxième phase autour du quartier latin, parce que c'est là où il y a les universités. Donc, du coup, en référence à Paris, ça s'appelle le quartier latin. Et donc du coup, dans ces deux pôles, on a eu la réhabilitation d'espaces publics, la création de nouveaux espaces publics. Et c'était aussi un quartier qui regroupait quand même des ateliers d'artistes, des centres de diffusion indépendants, des salles de spectacle et la Place des Arts qui se trouve ici là. Qui était un gros pôle culturel existant. Donc du coup, il y avait déjà enfin des établissements culturels avant même hein, la création de ce nouveau quartier des spectacles. Donc ce projet d'aménagement, il y a effectivement des actions sur les espaces publics qui se fait notamment sur deux points. Alors, on a en fait depuis les années 2000 hein, la création de nouveaux espaces publics qui n'existaient pas auparavant. Donc là j'en ai mis quatre. Donc on a ce qui s'appelle la promenade des artistes, le parterre, l'esplanade Clark et la place des festivals. Donc avant c'était soit des terrains vacants, terrains vagues, friches. Où dans certains endroits on avait des bâtiments qui ont été détruits pour créer un nouvel espace public, une place publique. Il y avait aussi des anciens terrains de stationnement, des parkings qui ont été transformés en place publique. Donc la création de ces nouveaux espaces publics, en fait, elle est vraiment à destination des grands festivals qui ont lieu à Montréal.
C'est-à-dire que c'était pour accueillir les concerts et spectacles du festival de jazz, des Francofolies, du festival Juste pour rire, etc., qui draine quand même énormément de visiteurs. Par exemple, pour la plus grande, en fait, c'est la place des festivals. Et donc, du coup, là, vous l'avez sans spectacle. Donc, ils ont créé, comme on voit d'ailleurs dans énormément d'autres espaces de place publique, hein, des jeux d'eau pour attirer des personnes hors des périodes de festival. Mais c'est vrai que hors de ces périodes de festival, et notamment pendant la période hivernale, il y a quand même des grandes questions sur comment faire vivre ces grandes places pendant les longs mois d'hiver quand même qui existent à Montréal. C'est-à-dire où il n'y a pas de festival, où quand il fait moins 20, moins 30, de toute façon, les habitants ne vont pas se promener ou rester sur ces grandes places. Hein. La plupart du temps, vont rester quand même assez peu en extérieur. Il y a la présence d'une ville souterraine, hein, notamment dans le centre-ville. Donc du coup, hein, voilà, on a créé ces très grandes places, mais on peut se demander voilà, il y a une forte temporalité de l'appropriation de ces grandes places publiques. Donc ça, c'est une des actions les plus importantes, hein, dans ce grand projet d'aménagement du quartier des spectacles, la création de ces nouveaux espaces publics. Et puis le deuxième, ça a été toute l'identité visuelle particulière qui s'est créé dans ce quartier des spectacles. Et qui est passé par ce qu'ils ont appelé le plan lumière. Et donc, dans tout le quartier des spectacles, vous avez une identité visuelle très forte, alors visible la nuit. Hein. C'est-à-dire que on a l'éclairage architectural de certains bâtiments, comme on le voit ici. Vous avez des jeux de projection, hein, sur les places, comme la place des festivals. Et vous avez aussi des sites de vidéoprojection, c'est-à-dire des artistes visuels, hein, qui vont créer des vidéoprojections sur certaines façades des bâtiments. Et puis le dernier point de ce plan lumière, hein, pour créer une identité visuelle à l'ensemble du quartier, c'est les points rouges là que vous voyez, qui sont présents devant tous les lieux culturels présents dans le quartier des spectacles. C'est-à-dire devant tous les théâtres, salles de concert, lieux de diffusion, galeries, etc. La ville a placé ces projecteurs rouges qui créent, voilà, ces ronds rouges, hein, au sol. Donc tout ça a créé effectivement un paysage visuel, alors visible la nuit, hein, seulement, mais qui est devenu un peu une image de marque. Et puis on a créé des ronds rouges parce que en fait on a créé ce nouveau quartier, le quartier des spectacles, mais auparavant, ça ne s'appelait pas du tout le quartier des spectacles avant les années 2000, hein, qui était en fait l'ancien Red Light de Montréal, donc c'est-à-dire le quartier où on avait énormément de prostitution, maisons closes, et puis d'autres problèmes comme énormément de problèmes de toxicomanie, de la présence de SDF très importante, énormément d'organismes communautaires aussi qui viennent en aide à ces personnes marginalisées, qui existent, hein, d'ailleurs toujours dans le quartier. Et du coup, on a une certaine continuité, c'est-à-dire on est passé du red light et on a juste mis des ronds rouges, hein, pour évoquer le passé de l'époque. Et donc du coup, hein, c'est devenu un peu l'image de marque. Mais voilà, comme je vous disais, hein, ce quartier des spectacles, il a été créé, voilà, dans les années 2000, mais il n'est pas sans susciter des tensions diverses et variées autour de ce nouveau quartier, ces nouveaux espaces publics qui sont sortis de terre, en fait, dans les années 2000.
Alors tout d'abord, il y a quand même une exclusion en fait de ce qu'on appelle les créatifs, c'est-à-dire je vous avais dit qu'il y avait des ateliers d'artistes, des centres de diffusion indépendants, etc., qui existaient dans les années 90. Mais là, avec la création en fait du quartier des spectacles, qui est normalement axé sur la culture, avec en fait les énormes investissements, les nouveaux aménagements, la création de nouveaux immeubles résidentiels haut de gamme, etc., les loyers et le foncier ont énormément augmenté. Et du coup, en fait, les ateliers d'artistes, par exemple, ont quasiment disparu. Hein. Certains centres de diffusion indépendants ont aussi fermé. Et du coup, en fait, les artistes qui étaient présents et qui, dans les années 90, sont pour la plupart, en fait, aujourd'hui, dans d'autres quartiers que le quartier des spectacles, qui est plutôt axé sur les gros festivals, les gros spectacles. Et donc, du coup, il y a peu de place pour les productions plus modestes et peu de place en fait pour les artistes. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est une sorte de privatisation aussi de l'espace public qu'on voit apparaître dans ce quartier des spectacles. Donc pour vous donner un petit peu un exemple hein, de ce sentiment en fait de privatisation de l'espace public, je vais vous citer un acteur professionnel qui réside justement dans le quartier des spectacles, donc il n'est pas parti encore, et donc que j'ai interviewé et qui dit, alors je cite, j'ai des sentiments partagés à propos du quartier des spectacles. Parce que je suis un acteur professionnel, le quartier des spectacles peut offrir de l'emploi. Par exemple, les années précédentes, on avait fait un défilé lors du festival de jazz. Donc là, c'est le côté positif. Et puis après, il continue. Mais cela fait aussi monter les prix dans le quartier, donc la gentrification. Je vis ici dans le quartier, donc il montre où il habite. Hein. Et puis, un des autres problèmes, c'est ce qu'on appelle la disneyfication, c'est-à-dire transformer quelque chose de vrai en une version fausse et marchandisée. Tu vas avoir des gens qui fouillent tes sacs quand tu entres, tu vas avoir des tracts commerciaux, tu es censé acheter des choses quand tu es dans le quartier, il va y avoir des endroits où tu peux aller et d'autres où tu ne peux pas. Si tu veux jouer dans le quartier, tu vas devoir les payer et demander la permission. Ok, continue, je ne veux pas que des bureaucrates me disent ce que je peux faire dans mon propre quartier, où et quand je peux jouer, et puis que je doive avoir des permis pour jouer. Non, c'est n'importe quoi, c'est le mauvais côté du quartier des spectacles. Cela transforme la culture en quelque chose comme Disneyland. Quand on vit dans le quartier, selon l'endroit où ils installent leur dernier spectacle, les gardes de sécurité viennent fouiller mes sacs. Donc il explique hein, que, par exemple, quand il a une bouteille de vin et qu'il rentre en fait, dans un périmètre où il y a un spectacle, on lui dit qu'il ne peut pas en fait, avoir de bouteille de vin parce que vous ne pouvez pas transporter du verre en fait, pendant les spectacles. Or, lui habite à côté, donc du coup, il est un petit peu quand même embêté. Donc ça devient comme une sorte de... Je continue, hein, c'est la citation. Donc ça devient comme une sorte de mini-état policier. Ils aiment vivre dans un centre commercial alors que je vis à Montréal. Si je voulais vivre à Disney, j'irais en Floride à Orlando, finit-il. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu extrême, mais c'est vrai qu'on a quand même des nouveaux espaces publics, mais qui sont en fait privatisés par... vous avez des barrières dès qu'il y a un spectacle, effectivement des gardes pour la sécurité, on vous fouille les sacs, etc. Et si vous habitez dans le quartier, mais vous devez passer par cette rue qui est fermée, ça peut être compliqué, comme il l'explique hein, pour les bouteilles de vin notamment. Donc en gros, hein, on observe quand même, et là je ne parle même pas, hein, de tout ce qui est caméras de surveillance, etc., qui sont beaucoup plus présentes aujourd'hui à cause de ces grands rassemblements qu'auparavant. Donc en gros, on observe quand même un glissement du festival populaire, public, urbain, vers un environnement festif qui est beaucoup plus contrôlé, en site propre, c'est-à-dire vous avez ces grandes places qui sont aménagées exprès pour accueillir ces festivals, avec des droits d'entrée qui sont de plus en plus présents.
aussi en lien avec les nouvelles préoccupations en matière de sécurité publique. Et donc on a un espace public qui est peu à peu privatisé, surveillé, notamment lors de la période estivale. Donc ça c'est un premier exemple hein, des tensions qui peuvent exister en conséquence de la création de ce nouveau quartier des spectacles. Et puis l'autre conséquence que ça engendre et les questions que ça pose pour l'espace public, c'est tout ce qui est lié au passé en fait du quartier. C'est-à-dire, je vous ai dit hein, que c'était l'ancien Red Light de Montréal, on a transformé en quartier des spectacles. Et du coup, on a l'impression que c'est un petit peu un passé encombrant, que c'était un quartier qui regroupait aussi toutes ces populations marginales, qu'on va chercher à cacher, à faire disparaître du quartier au profit de cette nouvelle image hein, de spectacle, ville festive, etc. Donc du coup, en cherchant à tout prix à attirer les touristes, des visiteurs par ces grands événements temporaires, les promoteurs du quartier des spectacles tendent à exclure certaines catégories de personnes et puis certaines activités du quartier. Et puis la création du quartier des spectacles, elle pose aussi la question de ce que c'est que l'espace public et qui y a droit. Les nouvelles places publiques que je vous ai montrées ressortent plutôt de la construction hein, d'un paysage comme scène pacifiée pour du spectacle que d'un espace public ouvert à tous. Où on a vraiment des actions hein, pour se débarrasser des populations vues comme indésirables, notamment les SDF qu'on appelle itinérants au Québec. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Il reste combien de temps là ? 15 minutes. 15 minutes, ok, très bien. Donc, du coup, là, je vous avais montré, ça c'est les anciennes images hein, du Red Light qui changent pas mal hein, par rapport à ces nouveaux espaces publics hein, que je vous ai montrés, la place des festivals ou autres. Et on voit hein, bien les anciens bars, énormément de clubs de striptease, des maisons closes. Des boîtes de jazz, cabarets, maisons de jeux plus ou moins illégales, les centres de Paris aussi plus ou moins illégaux. Et donc on a, depuis les années 40-50, hein, une volonté hein, très forte de la municipalité de se débarrasser hein, de ces activités. Et donc chaque décennie, on a différentes actions pour essayer de se débarrasser de tout ça. C'est vrai que le quartier des spectacles s'inscrit dans une continuité des grandes actions d'aménagement pour se débarrasser du Red Light. Hein. Je vais peut-être passer ça. Par exemple, le café Cléopâtre, c'est un des derniers vestiges du Red Light dans le quartier des spectacles. En bas, vous avez un club de striptease et puis à l'étage, vous avez une salle de spectacle, bar, avec énormément de spectacles de burlesque, etc. Donc, par exemple, hein, eux n'ont pas eu l'autorisation d'avoir les ronds rouges, là, les projections rouges, parce que ce n'était pas un lieu culturel, selon la municipalité. Et puis, il y a eu énormément de projets... il y a eu un gros projet aussi qui concernait justement pile cet espace, où on a voulu construire des tours de bureaux. Donc grâce à une organisation hein, de différents commerçants, le propriétaire du café Cléopâtre, etc., ils ont créé une association Save the Main. Et ils sont restés, alors que normalement ils devaient être détruits. Mais là, par exemple, en fait, tout ce qui est à droite du café Cléopâtre et à gauche du café Cléopâtre a été détruit. Donc du coup, hein, le projet de grande tour a été abandonné. Mais à la place, on a un trou. Alors, vous voyez là, tous les bâtiments ont été détruits. Donc, on veut à la fois construire un nouvel
un nouveau quartier convivial, etc. Mais on se rend compte que voilà, dans certaines rues du quartier des spectacles, de par les oppositions, les changements aussi municipaux, le manque de moyens d'investissement, etc., on se retrouve avec l'effet inverse, hein, avec un espace public qui est là pour le coup réduit un peu à néant, avec destruction des anciens bâtiments, plus de commerce évidemment. Et donc du coup, hein, beaucoup moins de passages aussi sur cette rue qu'auparavant. Et puis le dernier point que je voulais développer avant de conclure, c'était les questions justement liées à l'exclusion de toutes ces populations marginalisées, donc les SDF itinérants, et les prostituées, les toxicomanes, etc., qui sont très présents dans ce quartier des spectacles. Et on a en fait des actions différentes qui sont mises en place par la municipalité pour se débarrasser justement de ces populations. Alors c'est pas quelque chose de spécifique du tout à Montréal, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des grandes métropoles dans le monde, notamment nord-américaines, hein, où on est dans une logique de tolérance zéro pour justement attirer touristes, investisseurs, et puis mettre de l'ordre dans l'espace public. Donc ça passe par des fermetures nocturnes, c'est-à-dire que par exemple, hein, vous avez certaines places publiques où on transforme le statut en parc, ce qui permet en fait de fermer l'espace pendant la nuit. Donc ça veut dire que justement les itinérants ne peuvent pas en fait dormir dans ces espaces pendant la nuit. Ils doivent en fait se déplacer, hein, dans d'autres places qui ne sont pas fermées. Et donc par exemple dans le centre-ville, dans le quartier des spectacles, on a pas mal de places qui se sont transformées en parc pour justement éviter, hein, l'occupation de ces espaces. On a des interdictions qui se mettent en place, notamment soit la mendicité, soit la pratique du... en Québec on dit squeegee, mais c'est quand les itinérants peuvent vous proposer de laver votre pare-brise. Du coup ça va être interdit dans le quartier des spectacles aussi. Et la disparition de tout ce qui est mobilier urbain, comme là sur la place de la Paix, où avant 2006, je crois, 2005-2006, on avait des bancs. Et donc cette place a été très appropriée par justement les itinérants. Aujourd'hui, hein, vous voyez, on a plus rien, sauf pendant l'appropriation temporaire, hein, de la place, par exemple, lors de projections ou de pique-niques pendant l'été. Là, on peut voir réapparaître, hein, du mobilier urbain, mais seulement de manière temporaire, et pour des personnes qui ne sont pas des itinérants, évidemment. Donc, du coup, on a énormément, hein, d'actions de la part de la municipalité qui cherche donc à se débarrasser, on va dire, de ces populations et à fermer l'espace public dans ce quartier des spectacles. Et donc par exemple, pour la place de la Paix, on a à la fois des velléités de transformation de l'espace public à des fins touristiques, en proposant des événements comme voilà, des projections, des spectacles, etc. Et puis même en fait les commerçants, les directeurs de salles de spectacle autour de la place de la Paix cherchent aussi à s'approprier cet espace parce qu'ils voient d'un mauvais œil quand même la présence de toxicomanes, d'itinérants, etc. sur cette place de la Paix. Donc du coup on a des actions de différents acteurs pour se débarrasser de ces différentes populations. Donc, du coup, ouais, là, c'est ce que je finissais. Je vais conclure et puis comme ça on pourra discuter si vous avez des questions. Donc du coup, juste pour quelques mots de conclusion,
j'ai pris donc l'espace public là, de la, de, du boulevard Saint-Laurent pour interroger justement voilà, toutes ces stratégies de visibilité, invisibilité. Ce long boulevard, hein, pour moi, c'est vrai que c'était un espace de choix pour lire les traductions spatiales des politiques de la diversité, des logiques d'affichage des différentes communautés, comme on l'a vu dans le quartier chinois, dans la petite Italie, dans le secteur portugais, dans une logique de reconnaissance. En plus, on est en centre-ville, hein, donc du coup, c'est d'autant plus important d'avoir une reconnaissance de la part de la municipalité dans le centre-ville. On a la création voilà, de paysages particuliers hein, avec un marquage ethnico-touristique très fort. Et puis, parallèlement à toutes ces démarches hein, d'appropriation de l'espace public, on a des tensions qui se voient autour du partage de cet espace public donc, entre différentes communautés, évidemment, entre, par exemple, voilà, des communautés migrantes différentes qui se partagent le même espace, entre des communautés religieuses orthodoxes et des résidents qui ne partagent pas cette même religion, par exemple pour la communauté hassidique dans le quartier d'Outremont, ou quand la sphère privée fait irruption dans l'espace public. Et puis, avec l'exemple du quartier des spectacles, on a des tensions entre les stratégies touristiques de marketing urbain, de positionnement sur la scène internationale, hein, créer des espaces festifs, sécuritaires, propres, beaux, verts, contre justement la présence des itinérants, des marginaux, de la présence de la toxicomanie, etc., qu'on cherche à... Alors cacher, faire disparaître, mais en fait on se rend compte qu'on ne règle absolument pas le problème, hein, on le déplace juste dans un quartier autre qui ne sera pas le quartier des spectacles, qui ne sera pas l'espace central qu'on montre en fait aux touristes. Hein. Mais en fait, ces populations, elles continuent à exister forcément. Donc, du coup, elles se déplacent hein, dans d'autres quartiers à proximité où là, les aménagements et les interdictions ne vont pas être aussi importantes que dans le quartier des spectacles. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup Marie-Laure. Je vais donner la parole aux étudiants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole? Ok, alors pendant que vous réfléchissez à vos questions, moi j'en ai une sur le marché. Parce qu'on a cité hein, le marché du Val-Fouré il y a quelques heures maintenant. Est-ce qu'il y a des marchés dans cette rue et est-ce qu'ils sont aussi importants que chez nous? Et quels enjeux et surtout, il y a autour de ces marchés? Alors c'est vrai qu'il y a, il y avait des marchés le long du boulevard Saint-Laurent, mais la plupart en plein air notamment, en fait, ils ont dû fermer pour des logiques sanitaires, etc. Mais par contre, dans la petite Italie, on a un des marchés les plus importants de Montréal, qui est le marché Jean Talon, mais qui est un marché couvert, donc qui existe à la fois en été et en hiver. Parce qu'on a quelques marchés hein, pendant la période estivale en plein air, hein, mais qui sont évidemment qui n'existent plus pendant la période hivernale, évidemment. Et ce marché Jean Talon, ouais, il est assez représentatif aussi de justement ces vagues d'immigration. C'est-à-dire que c'est l'immigration italienne hein, qui a apporté certains légumes, notamment, qui ont que ce soit les tomates, courgettes, aubergines, etc. Il y avait énormément de commerçants italiens, en fait, dans ce marché. Il y a eu aussi énormément de commerçants liés à l'immigration du Maghreb qui se sont installés dans ce marché. Et donc, du coup, hein, c'est vrai que dans les discours officiels, le marché Jean Talon est vendu comme un espace justement multi-ethnique où on voit les influences de l'immigration à Montréal, etc. Je pense que c'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, on est quand même dans la petite Italie, hein, on est quand même dans un quartier qui est même pas en voie de gentrification, mais un quartier gentrifié
Et donc du coup, hein, aujourd'hui, on voit apparaître en fait là aussi un des boutiques bio, ce qu'on a vu dans le centre-ville. Pas mal de produits locaux aussi, on a tout un retour aussi au local hein, qu'on retrouve dans plein d'autres, contextes. Donc du coup, hein, cette altérité, elle est peut-être beaucoup moins forte aujourd'hui, ou alors c'est plus sur le côté voilà, marketing que réel aujourd'hui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez présenté le boulevard Saint-Laurent comme si c'était une juxtaposition de quartiers ethniques. Et est-ce qu'il y a justement des liens entre ces quartiers ? Est-ce que les populations se côtoient ? Pas du tout. Ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai présenté ça. C'est vrai qu'avec les arches, on a cette succession, hein, c'est vrai, de quartiers parfois un petit peu fermés, le quartier chinois. C'est vrai que vous savez, en plus, par exemple, que même quand vous rentrez dans le quartier des spectacles, parce que il y a vraiment des aménagements très importants. Mais par exemple, dans tout ce secteur-là, on n'a pas du tout de frontières qui séparent l'espace. Après, en fait, c'est vrai que c'est une rue qui fait 6-7 km, donc forcément, on passe dans des ambiances, des quartiers très différents. Mais en même temps, il y a une reconnaissance de la rue dans son ensemble, c'est-à-dire les 6-7 km. Comme ce que je disais au tout début, hein, c'est reconnu au niveau municipal, mais aussi au niveau canadien, donc même pas seulement québécois, mais canadien, comme lieu historique national, c'est-à-dire c'est désigné comme site patrimonial d'importance nationale pour son rôle en fait de corridor d'accueil des immigrants. Et c'est vrai que si on regarde hein, les différents sites qui sont inscrits au patrimoine canadien, au niveau de la diversité culturelle, au niveau des communautés migrantes, on se rend compte qu'on a énormément de lieux de culte. On a un quartier, le quartier chinois à Victoria, je crois. Mais c'est vrai que le boulevard Saint-Laurent fait partie de ces sites historiques nationaux. Et c'est assez original parce que justement, c'est pas lié à une seule communauté, mais c'est lié à cette immigration très diversifiée qui a pris place hein, le long de ce boulevard. Donc du coup, il y a à la fois des aménagements, une prise en compte des quartiers, effectivement, qui sont très marqués, mais en même temps, on a certaines... dans les représentations, le boulevard Saint-Laurent, du Vieux-Port jusqu'à la Petite-Italie, fait sens aussi dans son ensemble, dans toute sa longueur. Donc du coup, effectivement, oui, il y a des... Il y a des liens, évidemment, entre les différents quartiers. Et puis surtout, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a le quartier chinois dans ce secteur. On a le secteur portugais ici, la petite Italie là. Mais en fait, les Italiens, les Portugais, les Juifs d'Europe centrale, en fait, ils sont d'abord venus ici. Et puis peu à peu, en fait, ils se sont déplacés vers le nord. Donc du coup, il n'y a pas de quartiers fixes avec des frontières fixes. Hein. On a eu en fait énormément de mouvements pour ces populations migrantes qui sont surtout allées vers le nord et puis ensuite aussi hein, de part et d'autre du boulevard. Donc oui, hein, effectivement, on a des liens entre ces différentes populations et entre les différents quartiers. Et même si, évidemment, je vous ai montré un marquage, même dans le quartier italien, c'est vrai que, certes, la plupart des commerces affichent une identité italienne, mais vous pouvez tout à fait trouver quand même un commerce autre que italien, avec des guillemets. Hein. Donc, du coup, c'est pas non plus totalement fermé, même si, effectivement, au niveau de l'affichage, c'est... C'est voulu comme tel, mais pour des fins touristiques. Hein. Merci. D'autres questions ? Oui, je me demandais, à New York, par exemple, on peut remarquer qu'il y a un certain déclin de Little Italy et Chinatown qui s'étend. Est-ce que ici, même si c'est quelque chose qui est affiché, très historique, est-ce qu'il y a des déclins de secteurs au profit d'autres ?
Alors, en fait, dans les années, effectivement, 80-90, il y a eu un déclin très fort de ces quartiers, lié notamment au départ des Portugais, du secteur portugais, des Italiens de la petite Italie qui allaient habiter dans d'autres quartiers de Montréal, en périphérie, pour avoir plus grand, pour partir aussi de cet espace qui à l'époque, était... les immigrants venaient s'installer là, mais c'était un quartier quand même pauvre, etc. Donc il y avait aussi une volonté d'ascension sociale, d'aller dans d'autres quartiers. Et donc, par exemple, dans les années 80-90, il y a pas mal de commerces qui ont fermé. Le bâti aussi se dégradait, etc. Et dans la plupart des cas, ce sont les commerçants en fait, qui se sont constitués en association. Alors là-bas, on appelle ça des sociétés de développement commercial. Donc, tous les commerçants en fait payent une contribution pour créer en fait justement des événements pour essayer de redynamiser le quartier. Et c'est vrai que pour le quartier chinois et la petite Italie, c'est dans ces années 90 qu'on a décidé d'afficher une identité spécifique. Pour faire justement, pour ramener en fait une clientèle et puis après des touristes nationaux et internationaux. Donc du coup aujourd'hui par contre c'est pas du tout en déclin. Alors au niveau commercial touristique. Après par contre au niveau de la population résidente c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire que dans le quartier chinois on n'a pas vraiment de chiffres hein, mais les estimations on est à 600 personnes d'origine chinoise qui habiteraient dans le quartier, donc c'est vraiment très peu. Dans la petite Italie, on a une fonction résidentielle qui est quand même un petit peu plus forte, pareil dans le secteur portugais. Et aujourd'hui, on a même des personnes d'origine italienne ou portugaise qui étaient parties et qui vont revenir, qui vont choisir de revenir dans ce quartier de la petite Italie ou du secteur portugais. Donc du coup, on a pas vraiment de déclin. Pour ces différentes raisons. À la fois au niveau commercial, ça marche très bien. Au niveau de l'affichage de la ville, ce sont des quartiers touristiques à visiter. Ça a été le fait aussi que c'est désigné comme site historique national, comme patrimoine, contribue aussi à une image positive. La gentrification qui existe quand même tout le long du boulevard. Et puis ce retour des enfants, de petits-enfants, d'immigrants portugais, italiens qui peuvent revenir dans ce quartier. Donc c'est assez différent de New York où effectivement le quartier italien en plus est en rétractation. De toute façon c'est une rue à peine. Enfin, c'est vraiment. Et puis là c'est vrai qu'on a aussi c'est très différent parce que c'est de la place quoi. Comme c'est le long d'un axe, effectivement il n'y a pas de enfin, il y a des possibilités de rétractation, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Alors, au moment de la réhabilitation, quelle a été la réaction des habitants du quartier à ce moment-là? Et est-ce qu'il y a un débat à Montréal autour de la production des espaces publics, par exemple, entre sécurisation, appropriation, et de quelle manière les politiques... arrive à canaliser ce débat, est-ce qu'il y a une coproduction comment ils arrivent à associer les habitants, les différents points de vue? Alors pour le quartier des spectacles? Oui, voilà. Ouais. Alors pour le quartier des spectacles, en fait c'est assez étrange parce que il y a eu vraiment en fait une longue période de consultation publique qui a été mise en place. Hein. Donc il n'était pas question hein, pour les élus montréalais de créer de toutes pièces un quartier sans demander l'avis donc à la fois des résidents, mais de nombreuses associations. Comme je l'ai dit, il y a énormément aussi d'organismes communautaires qui sont présents dans ce quartier pour répondre justement à ces questions d'itinérance, de toxicomanie, etc. Donc du coup, il y a eu des longues périodes de débats, hein, chacun en fait. Tout d'abord, les élus proposent le projet, et puis ensuite, chaque individu, soit individuellement, soit dans le cadre d'une association, organisme, etc., peut déposer un mémoire ou venir faire une présentation orale.
Donc du coup, il y a même eu des séances qui se sont rajoutées, puisqu'il y avait eu une fréquentation très forte lors de ces consultations publiques. Mais en fait, c'était pas vraiment en fait sur les espaces publics en tant que tel que s'est tourné le débat. Ça a été plutôt en fait la question de j'étais un peu vite là, mais en fait c'était surtout le moment où en fait l'association Save the Maine s'est créée, c'est-à-dire que voilà, les différents habitants, commerçants, etc., qui ont vu le projet de tour de bureau annoncé par la ville, se sont rencontrés, se sont constitués en association, et là on commençait à faire en fait différentes actions, du lobbying, des manifestations, etc., contre le projet de tour de bureau. Mais c'était... Certes, c'est une... Enfin, comment dire... Oui, ils ont une idée de l'espace public qui est très différente de ce qui a été proposé dans les documents d'urbanisme du projet de quartier des spectacles, puisque pour eux, c'était plutôt un aspect patrimonial, où il fallait en fait conserver justement ces anciens bâtiments, l'ancienne trame du boulevard Saint-Laurent. En fait, ce qu'il souhaitait, c'était plutôt qu'on réhabilite ces bâtiments. Mais pour eux, voilà, en plus, c'était patrimoine historique au niveau canadien, donc du coup, pour eux, ça pouvait être un argument contre la destruction de ces bâtiments. Alors que c'est vrai qu'au niveau de la ville, au niveau de la constitution du quartier des spectacles, le côté patrimonial de cet ancien tronçon n'avait pas du tout de poids. C'était plutôt l'idée, si on peut détruire certains bâtiments pour construire des tours, très bien, parce que ça va densifier le tissu urbain. Par contre, on va détruire d'autres pour voilà, créer ces espaces publics. Donc il y a vraiment deux logiques en fait, différentes. Quand même entre cette association et les contestataires, on va dire, au projet de quartier des spectacles, et puis tout ce qu'on peut trouver dans les documents d'urbanisme, le discours des élus, le partenariat public-privé qui s'est créé pour gérer le quartier des spectacles, qui mettent vraiment de côté en fait le côté justement patrimonial du boulevard Saint-Laurent. Qui vraiment axe plutôt sur voilà, une identité nouvelle, un quartier nouveau, etc. Même s'ils s'en défendent, mais en gros, c'est quand même ce qui ressort. Donc voilà, c'est plutôt sur cet aspect peut-être patrimonial du vécu aussi, c'est-à-dire que pour cette association, c'est vrai que... ils souhaitaient en fait inclure, par exemple, le café Cléopâtre et ses différents spectacles de burlesque, etc., dans le quartier du spectacle. Pour eux, en fait, il y avait une distinction entre ce qui rentrait dans la culture et ce qui sortait de la culture, selon eux, qu'ils pouvaient faire partie du quartier des spectacles en proposant des spectacles un petit peu autres, ce qui n'est pas du tout la vision de la ville. Ouais, j'ai une question. Ben d'abord, merci parce que vraiment, on ne revient pas des déplacements, c'est super. Mais j'ai une question sur le concept de pasteurisation. Ouais. C'est un concept de toi, peut-être ? Non, c'est vrai que j'ai pas très bien compris à quoi ça correspondait. Est-ce que ça correspond aux mises en invisibilité des marginaux ? Est-ce que ça correspond au quartier des spectacles ? Est-ce que ça correspond même au mouvement contre les manifestations de la communauté juive sur la laïcité ? Donc c'est un concept que je connais pas. Donc, alors c'est une sociologue en fait, québécoise qui travaille sur Montréal, qui s'appelle Annick Germain, ouais. Et qui a développé cette idée de pasteurisation. Je sais pas, c'est peut-être assez québécois comme terme. Mais alors, ça se réfère beaucoup plus à la diversité culturelle, ou à l'affichage de la diversité culturelle dans la ville, pas vraiment à la question des populations marginales. C'est vraiment deux choses différentes. Elle, quand elle parle de pasteurisation, en fait, elle explique que la politique de la ville de Montréal. Quand on voit les différentes
politiques mises en œuvre dans l'espace public, on a à la fois une volonté de marquer l'espace, c'est-à-dire certains maires ont fait vraiment le choix voilà, de ces arches, de donner l'appellation officielle aussi, quartier chinois, petite Italie, ce qui n'est pas le cas par exemple du secteur portugais. Ben, le maire actuel ne veut absolument pas donner hein, une appellation officielle à des quartiers ethniques. Parce que par exemple, il y a un quartier qui a demandé le petit Maghreb, qui voulait se créer. Ça n'a jamais été le cas. Donc du coup, voilà, selon les politiques, selon les maires en place, etc., on aussi, voilà, entre une volonté de marquer l'espace et une volonté de surtout ne pas mettre de marques comme des arches, des toponymies, des plaques officielles de la part de la ville pour essayer d'avoir un espace public le plus neutre possible. En fait, le plus neutre qui réfère en fait à la majorité montréalaise, Québec, enfin d'origine québécoise. C'est ça que j'ai pas bien compris non plus, parce que moi je connais pas bien le cas du Québec, mais j'ai l'impression qu'au Québec, tout le monde est à la fois minoritaire et majoritaire, finalement, que les Québécois se sentent minoritaires par rapport aux Canadiens. Et est-ce que ceux qui sont d'origine italienne, ils se sentent moins Québécois ou moins Canadiens que leurs voisins? Je sais pas, j'arrive pas très bien à comprendre maintenant. Alors oui, c'est vrai que dans le contexte québécois, c'est vrai que de toute façon, si vous êtes Québécois, vous êtes une minorité francophone par rapport au reste du Canada ou aux États-Unis qui sont anglophones. Donc effectivement, ouais, c'est une question d'échelle là aussi. Hein. Mais dans la ville de Montréal, non, il y a vraiment une... Alors la politique de diversité au Québec s'appelle l'interculturalisme. Donc on est vraiment dans une volonté, oui, d'intégration, mais qui passe par le français, qui doit passer par la langue française. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des... contrairement en France, hein, d'ailleurs, il y a vraiment des cours de francisation qui sont très importants, qui sont obligatoires, qui durent très longtemps, etc. Donc ça, c'est vraiment une volonté d'intégrer les migrants par la langue française. Après, non, il n'y a pas de question où ils se sentent plus ou moins québécois, plus ou moins montréalais, mais même dans certains discours, par exemple, politiques, la communauté italienne, par exemple, ou maghrébine, ou enfin, en tout cas migrante, peuvent être qualifiées de néo-montréalais. C'est quand même un petit peu bizarre, même si enfin, ils sont là depuis 40, 60... Donc oui, il y a des discours médiatiques comme pendant la crise des accommodements raisonnables, hein, où aussi, bah, comme en France et comme un peu partout, hein, il y a aussi voilà, c'est assez disproportionné parce que ça va être relayé par les médias, puis par les politiques, etc., de ces tensions entre communautés, même si en fait, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de réel problème de « on se sent plus québécois » ou « on se sent plus montréalais que d'autres ». Enfin, en tout cas, là, dans le cas du boulevard Saint-Laurent. Je ne sais pas si je réponds exactement à... Ouais. Ouais. Si on a une question, ouais. Vous avez parlé de maisons closes. Et moi, je ne sais pas quel est le statut de la prostitution au Canada. Et justement... du coup, ça m'a amené à me demander ce qu'ils avaient fait justement de ces prostituées, où elles étaient désormais, et selon le statut de la prostitution, est-ce qu'elles étaient gérées ou est-ce qu'elles étaient juste sur... Ouais, c'est-à-dire qu'on a décidé de fermer les maisons closes, mais donc soit elles ont ouvert de manière plus ou moins illégale en fait, dans d'autres quartiers, soit en fait elles ont été tout simplement mises dans la rue. Donc du coup, là non plus, hein, pas vraiment de réflexion sur. Ah oui, si on ferme les maisons closes, elles continuent d'exister, où vont-elles aller? C'est vraiment un déplacement du problème en soi, voilà, dans la rue, complètement, soit dans d'autres quartiers. Mais c'est la législation, c'est là, un petit peu pareil qu'en France, à moins que c'est évolué hein, depuis quelques années, mais voilà, il y a une interdiction normalement de la prostitution. À Montréal, et une interdiction en tout cas des maisons closes aujourd'hui, ça c'est sûr, ça n'a pas changé. Voilà, mais non, en fait c'était plutôt pour voilà, essayer de nettoyer, on va dire, ce quartier du centre-ville. À l'époque aussi, hein, on était dans un contexte de grande.
collusion entre la police et justement la mafia et ceux qui tenaient les maisons closes. C'est-à-dire qu'il y avait une corruption généralisée, etc., dans les années 40-50. Donc du coup aussi, il y avait une volonté de nettoyer tout ça de la part du maire hein, qui a fermé la plupart des maisons closes à l'époque. Juste rapidement, mais si c'est un boulevard gentrifié, désormais les immigrants, je suppose qu'ils ne peuvent plus arriver dans le boulevard, donc où vont-ils? Y a-t-il d'autres quartiers qui prennent ce rôle de corridor de l'immigration? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, les quartiers d'immigration, effectivement, sont plus... sont plus le long de ce boulevard qui est plutôt, voilà, comme je vous disais, c'est aussi un espace commémoratif de l'immigration. Aujourd'hui, hein, les immigrants, ils vont en fait plutôt au nord de l'île de Montréal, et puis dans l'est aussi de l'île. Alors ça va être soit des quartiers, soit il y a justement là. À l'envers, la rue Jean Talon, donc au nord de la petite Italie. Oui, je ne sais pas pourquoi elle est passée à l'envers, mais du coup, là aussi, hein, c'est en fait une immense rue hein, qui, je ne sais pas si elle traverse l'île de Montréal de part en part, mais en tout cas, elle est très longue, et que certains ont appelé le nouveau boulevard Saint-Laurent. C'est-à-dire, c'est là où on va retrouver par exemple le Petit Maghreb. Au nord aussi, on va retrouver, au nord de la rue Jean Talon, on va retrouver aussi alors, ce que certains appellent la Little India. Donc du coup, des quartiers d'immigration beaucoup plus récentes, mais qui sont effectivement plus au nord du boulevard Saint-Laurent, enfin de la petite Italie. Donc c'est vrai qu'il y a eu un déplacement de ces quartiers d'immigration. On a temps pour une dernière question. C'est dans le sillage, mais vous avez parlé donc du fait que les personnes jugées indésirables étaient donc exclues des centralités touristiques et en particulier de celles où des festivals ont lieu. Mais est-ce que c'est la même chose dans la ville souterraine? Est-ce que je ne sais pas du tout, je ne connais pas Montréal, mais vous avez parlé d'une ville souterraine puisqu'il fait très très froid l'hiver. Quid des espaces publics et est-ce que les populations indésirables sont quand même un peu plus tolérées eu égard au froid? Bah, c'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Après, avec c'est vrai qu'il y a un nombre très très important quand même d'associations et d'organismes communautaires qui prennent en charge ces itinérants dans le centre-ville. Donc du coup, peut-être que pendant l'hiver, il y a des logements, etc., qui sont mis à leur disposition dans ces locaux. Par contre, ouais, je ne sais pas exactement ce qui est fait au niveau de la ville souterraine par rapport à ça. Je sais pas. Surtout qu'effectivement, moi, j'ai fait mon terrain... Surtout en fait pendant la période automne, printemps, été, parce que l'hiver j'étais à Paris pour donner des cours, donc je ne sais pas exactement ce qui... je ne saurais pas vous répondre. Je ferai mon terrain là-dessus. Parfait. Merci beaucoup Marie-Laure. Merci.